Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Nous allons maintenant annuler les lois établies de nos familles, les actes, les pactes, les alliances qui ont été conclus par nous-mêmes ou par nos parents et ancêtres avec le monde des ténèbres. La parole de Dieu déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Oh bien-aimés, nous allons nous mettre debout maintenant pour aller combattre. Nous allons annuler, nous allons briser. Prions au nom de Jésus. Que les lois qui soutiennent le mur fortifié par le diable dans mon foyer soient abolies au nom puissant de Jésus-Christ. Toute puissance derrière les lois et ordonnances publiées pour tourmenter mon foyer, je vous ordonne d'échouer au nom puissant de Jésus-Christ. Toute loi contraire à la parole de Dieu assignée contre mon foyer, je t'ordonne d'être abolie au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule toute ordonnance signée pour retrancher mon mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Prions, prions, que les lois qui soutiennent les murs fortifiés par le diable dans mon foyer soient abolies au nom puissant de Jésus-Christ. Toute puissance derrière les lois et ordonnances publiées pour tourmenter mon foyer, je vous ordonne d'échouer au nom puissant de Jésus-Christ. Toute loi contraire à la parole de Dieu assignée contre mon foyer, je t'ordonne d'être abolie au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule toute ordonnance signée pour retrancher mon mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je viens abroger toutes les lois établies de la maison de mon père, de la maison de ma mère ou de ma belle famille qui bloquent la fertilité dans n'importe quel domaine dans mon foyer au nom puissant de Jésus-Christ. J'applique le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ dans tout mon foyer pour nous sécuriser, pour nous protéger contre toutes les attaques planifiées par la maison de mon père ou la maison de ma mère ou ma belle famille au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit de surveillance qui était assigné dans mon mariage, sois affaibli et je te commande de démissionner à ton poste au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ brise toute communication et tout contact entre mon foyer et le monde mystique, le monde parallèle ou le monde pandémonium, au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ, je renverse tout autel familial utilisé pour tourmenter mon foyer, au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ, j'annule tous les vœux et engagements diaboliques de la famille de mon père, de la famille de ma mère et de ma belle famille qui apporte les malédictions dans mon foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ pour payer les dettes accumulées par nos parents et ancêtres. Satan et tes démons, je vous présente le sang de Jésus-Christ comme paiement de toutes les dettes, connues ou non, que vous ne cessez de réclamer sur mon mariage, sur mon foyer, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ aplanisse toute montagne du célibat dans mon foyer, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ brise et déconnecte de mon foyer tout esprit de la polygamie, tout esprit de l'inceste alimenté par la sorcellerie de la maison de mon père, par la sorcellerie des maisons de ma mère
ou ma belle famille au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, arbre maléfique implanté au centre de mon foyer par qui que ce soit, avec comme mission de produire la rébellion, les disputes et les querelles, la discordance, sois secoué par le sang de Jésus-Christ. Toi, arbre maléfique, au centre de mon foyer, sois embrasé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons maintenant chasser tout esprit de célibat, tout esprit de conflit, tout esprit de veuvage, tout esprit de séparation, tout esprit de manipulation dans nos foyers. La parole de Dieu déclare que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. L'apôtre Paul ajoute à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Nous allons prier. Éternel Dieu d'amour, déverse ton amour dans mon cœur comme dans celui de ma femme, pour que l'harmonie, la fidélité et l'honnêteté règnent dans notre foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Toute puissance physique ou spirituelle qui renforce les conflits dans mon mariage soit anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les démons en campement sur mon territoire pour attaquer mon mariage, je vous déloge au nom puissant de Jésus-Christ. Satan et tes démons, je vous ordonne d'emballer vos affaires et de quitter ma vie, quitter mon foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, déprogrammez les projets, les plans diaboliques contre ta vie, contre ton foyer, par les associations diaboliques entre vos familles et le monde des ténèbres. La parole de Dieu déclare, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Que tout mal forgé contre ma destinée soit sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité pour annuler tous les plans que l'ennemi a préparés contre nous. Là où l'ennemi a planifié les échecs sur nos vies, je les renverse au nom puissant de Jésus-Christ. Là où l'ennemi a planifié la mort pour ma famille, je prends autorité pour menacer et anéantir l'esprit de mort dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, il anéantit les projets des hommes rusés dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'anéantis toute puissance derrière tout plan de l'ennemi contre mon foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les projets des hommes rusés pour cette journée, pour cette nuit, pour ce mois et pour cette année contre ma famille soient nuls et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que toutes les puissances derrière ces projets soient anéanties et renversées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute mission du diable contre nous échoue lamentablement au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'anéantis toutes les paroles incantatoires qui ont été prononcées sur les alliances conclues entre la maison de mon père ou la maison de ma mère ou de ma belle famille avec le monde des ténèbres pour mon mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne physique ou spirituelle avec des plans maléfiques qui tenterait de pénétrer mon foyer soit anéanti, lui et ses projets, soit écrasé, lui et ses plans, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne ou toute chose assignée physiquement pour déranger mon mariage soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je prends l'autorité pour désarmer et détruire tous les instruments que les agents des ténèbres utilisent pour surveiller et détruire mon mariage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis toutes les caméras et miroirs kabbalistiques que le monde des ténèbres utilise pour surveiller tout ce qui se passe dans mon foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu dévorant consume tout acte, veille et certificat de mariage spirituel au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu dévorant brûle en cendres toute personne ou toute chose représentant Satan et ses acolytes au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tous les caméras cachées, les miroirs kabbalistiques, les fils de communication que l'ennemi a implantés dans mon corps, dans ma maison, pour nous surveiller au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu! Envoie le feu!
Envoie le feu, bien-aimé. Envoie le feu. J'envoie le feu dévorant de l'Éternel des armées pour brûler en cendres tout procès verbal de ténèbres et les fardes et les contenants au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne physique ou spirituelle qui est en train de projeter le mauvais sort sur ma vie, sur la vie de ma femme, sur la vie de mes enfants, soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, envoie maintenant la confusion dans les camps de l'ennemi et retourne vers l'ennemi toutes ses affaires au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Que le feu de l'Éternel démantèle tout camp de la sorcellerie par la famille de mon père ou de ma mère ou de ma belle famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne physique ou spirituelle qui ne veut pas voir mon bonheur périsse au nom puissant de Jésus-Christ. Que le charbon tombe sur la tête de toute personne qui est irritée contre mon mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, que tous mes ennemis mangent leur propre chair et que tout ce qu'ils ont planifié pour mon foyer tombe sur eux-mêmes au nom puissant de Jésus-Christ. Toute flèche enflammée de l'ennemi lancée vers mon foyer pour détruire mon mariage ou les vies de mes enfants, je t'ordonne de retourner vers ton initiateur et de produire au double ta mission originaire au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient confis, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent à ma perte. Parole de l'Éternel. Que la mort surprenne tous mes ennemis, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans l'air de mer au milieu des paroles de l'Éternel. Bien-aimés, il y a des alliances conclues pour ta vie et pour ton mariage avec les femmes et maris de nuit, consciemment comme inconsciemment, volontairement comme involontairement. Nous allons nous séparer de ces alliances au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ai détruit toute malédiction et alliance maléfique qui empêche que mon mariage réussisse au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne physique ou spirituelle désignée pour officier un mariage dans le monde des ténèbres, entre ma personnalité et un démon ou une sirène, soit frappée de paralysie au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tous les liens de mon âme avec des anciens partenaires sexuels, vivant ou mort, au nom puissant de Jésus-Christ. Je révoque toute relation avec les esprits des eaux, avec les esprits des cimetières, au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je brise tous les liens avec les esprits des maris ou des femmes de nuit et je consume au feu toute robe et alliance du mariage spirituel, au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ai détruit toute alliance que j'ai faite avec les maris ou femmes de nuit dans mes rêves au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ai détruit avec le feu dévorant tout acte de mariage et tout cadeau reçu du mariage nocturne au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je brise toute alliance de sang formée avec le mari ou femme de nuit, consciemment ou inconsciemment, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute alliance maléfique formée entre moi et un esprit maléfique qui m'a mis en servitude, brise-toi et libère-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Toute alliance maléfique formée entre moi et les esprits des eaux qui tourmentent mon mariage, brise-toi et libère mon mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je brise tous les liens de mariage nocturne et je refuse à tout rapport sexuel avec les maris ou femmes de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je proclame le divorce avec les maris ou femmes de nuit et j'arrache de mes doigts toutes les alliances obtenues de telles relations au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis et je brûle par le feu du Saint-Esprit tout certificat de mariage établi durant une cérémonie nocturne au nom puissant de Jésus-Christ. Avec le sang de Jésus-Christ, je nettoie et je purifie mon corps, mon âme et mon esprit de toute chose, de tout animal, de toute infection et de toute marque déposée en moi par les maris ou femmes de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ.
toi, mari ou femme de nuit, qui tourmente ma vie et mon foyer. Je te présente aujourd'hui le sang de Jésus-Christ comme remboursement de toutes les possessions et toutes autres choses que tu as déposées en moi ou que tu as remis à quelqu'un de ma famille pour sceller l'alliance entre moi et toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, remercie le Seigneur pour tout ce qu'il vient d'accomplir dans nos vies. Éternel Dieu, je te remercie parce que tu as été avec nous au début comme Alpha et tu as cheminé avec nous comme Emmanuel. Nous voici à la fin, tu es toujours avec nous et cette fois-ci comme Omega. Père éternel, je te remercie pour ta main puissante de la délivrance. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Merci l'homme de Galilée, merci les rois des rois pour l'œuvre de la croix qui aujourd'hui nous donne la puissance, l'autorité et la victoire sur Satan et tous ses démons. Bien-aimés, scellez votre prière par le sang de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. J'applique le sang de Jésus-Christ autour de mon mariage, autour de mon foyer, sur la vie de mon partenaire, sur la vie de chacun de mes enfants, pour nous rendre invisibles et inattaquables aux yeux et aux attaques du monde des ténèbres. Je couvre toute ma famille avec le sang de Jésus-Christ. Seigneur, lorsque ta colère frappera les méchants, vois le sang de Jésus-Christ sur mon foyer, sur toute ma famille, et qu'il n'y ait pas de plaies qui nous détruisent. Protège-nous, éternel notre Dieu. J'applique le sang de Jésus-Christ sur toutes les portes, sur toutes les fenêtres, sur les lits, sur les meubles, sur les ustensiles et tous nos habits, que le diable et ses démons n'arrivent pas à utiliser ces objets pour nous attaquer au nom de Jésus-Christ. Je scelle ici ma prière par le sang de Jésus-Christ, que l'ennemi n'ait pas accès à toutes les paroles que j'ai dites et qu'il n'arrive pas à comprendre nos requêtes. Éternel Dieu, bénis toute ma famille et que le bonheur, la joie et la paix restent notre partage tous les jours de nos vies. Nous avions ainsi prié et nous disons tous Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alléluia. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance, oh, descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance, que ta puissance, yes, descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Alléluia. Pour t'adorer, oh Jésus. Alléluia. Pour t'adorer. Alléluia. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Seigneur, nous levons nos mains vers toi pour t'adorer. Pour t'adorer, oh Jésus-Christ, pour t'adorer.